Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec notre cher Piment. Ouais. Comment vas-tu? Ça va super bien. Ok, tant mieux alors. Alors aujourd'hui nous allons faire des textes bizarres. Nous avons trop mal poli, j'ai même pas dit et toi. J'ai pas dit comment tu vas toi. Ça va bien, tranquille. Ah ça va, mais tant mieux. Elle m'a coupé en plein de paroles, mais c'est pas grave. Alors nous allons les textes bizarres. Alors, pour le premier texte, nous allons commencer. Parti. Alors, je me suis fait mal en tombe dans le lit de ton ex était en parking. Je me suis fait mal en tombe dans le lit de ton ex était en parking. Alors, en gros, tu es tombé dans la tombe, c'est ça? Ou juste es tombé? Non, il est tombé dans le lit. Parce qu'il a dû rêver que son ex était dans un parking. Ah ouais, d'accord. D'être sous surveillance, tu sais, ton ex est planqué dans le parking, tu surveilles. L'ex dans le parking, attention, que fait-elle? On comprend. Ne t'en fais pas, c'était qu'un cauchemar. Alors, on va passer au texte numéro 2. Rien à la chaîne de production et un long épisode de la chaîne avec qui je suis en collaboration avec un mec dont son nom de chaîne est trop. Cet enregistrement ne gâte pas, ne pas être calme. Ok, ne pas être calme, c'était bien ça. Alors, as-tu compris parce que... J'ai compris que... Rien à la chaîne de production, ok, bah déjà t'as une chaîne de production qui ne fait rien. Un loup épisode. Un épisode qui parlait du loup dans la chaîne, apparemment. Ouais, en gros, ouais, t'as filmé un truc avec le loup. Il y avait un loup dans la chaîne avec qui elle est en collaboration. Ou il est en collaboration. Ok, t'as fait une collaboration pour la vidéo, enfin pour la chaîne de production, ok, avec un loup dedans. Et avec un mec bon, son nom de la chaîne est trop, cet enregistrement ne gâte pas ne pas être calme. Ouais. En gros, le gars dans la production, il était trop excité, mais j'ai l'impression que c'était pas calme en gros. Ouais. Voilà, hein, c'est tout. Hein. Tout ce qu'on comprend. Enfin. On va passer au texte numéro 3. T'as utilisé le donneur de l'eau automatique, mais n'oublie pas la mise. Le sexe baladeur, n'oublie jamais que du sale, je suis l'empereur. Dans le hit machine, pour ajouter un tube, tu peux m'appeler rouge-gorge. À l'école, c'était moi qui donnais des ordres. Ok. Attends. Le gars qui donne des ordres à l'école, tranquille. Donc, il y a eu un rime, non? Ordre, école. Ouais. Alors. T'as utilisé le donneur de l'eau automatique. Ok, bah en gros, bah t'as. Un donneur de mots automatique, non, je sais plus, qui donnait les mots comme ça. N'oublie pas le sexe et baladeur, n'oublie jamais que du sale je suis l'empereur. Non, c'est très chelou cette phrase. En gros, ton sexe. Ça fait très masochiste. En gros, ton sexe serait baladeur. Il se balade. Dans son empereur, c'est ça? Apparemment, c'est même l'empereur qui. C'est l'empereur qui se fait balader. Voilà, vous avez compris quoi. Son truc se fait balader quoi. Ah, faudrait rajouter un tube. Rajouter un tube pour le mettre dedans? Je sais. What? Tu peux m'appeler rouge-gorge à l'école, c'était moi qui donnais les ordres. On veut pas savoir ce qui se passait à l'école. Ah ouais, non. Parce que si tu faisais ça à l'école, c'est pas joli. Bon, on va passer au numéro 4. À tous ces informations et ce message d'origine, répondre à tous ces informations et ce qui est de votre disposition. Et quoi? Et la fin, elle est où? Et on veut la fin, nous? Donc, alors, à toutes ces informations, d'accord, de ce message d'origine, ok, répondre à ces informations. Ah, c'était un message qui était destiné à répondre. Mais au final, la personne n'a pas répondu, et t'attends toujours la réponse. Là, c'est ballot, hein, c'est long des fois d'attendre les réponses. Ce qui est de votre disposition, c'est les messages automatiques, du coup, ils sont à disposition pour les réponses quand vous n'êtes pas là. On voit plus maintenant. Elle se fait couper avec la caméra, mais c'est parce qu'on essaie d'avancer pour que vous puissiez nous entendre assez. Mais voilà. S'excuse si parfois on n'a plus de tête ou qu'on s'entend mal. Fini de raconter ta vie? On passe au 5? 5, c'est parti. Allez, passe par. Alors, au sujet de la communauté, et si aussi les boulevards dans le bus vers l'avant ou dans la queue de la cantine? Donc, elle a rien, mais je croyais que tu devais y aller pour quelle raison? C'est magnifique. Alors, je sais pas si je suis parce que j'étais pas là. Enfin, j'étais là, mais ça m'étonne pas. À ce sujet de la communication et aussi la communauté, pas la communication, hein. Ça m'amène pas des mots non plus. Oh là là. Le boulevard, de quoi? Au sujet de la communauté. Ok, la communauté, au boulevard.
Apparemment, il y avait des gens dans les boulevards, enfin, sur les boulevards, dans le bus qui était. Dans le bus où la personne était. Ouais. Donc, c'était vers l'avant du bus, apparemment. Ouais. Et il y en avait autant que dans la queue de la cantine. Ah oui, mais il y a beaucoup de monde alors. Si la cantine. Donc, il n'y a rien, mais je croyais que tu devais y aller pour quelle raison? Pour quelle raison? Ouais. En fait, il faudrait bien une personne qui a du monde. Ok, je peux dire ça. On passe au 6. Je vous remercie pour votre réponse rapide et précise pour les deux dates de la semaine prochaine. Et je vous remercie de votre confiance et vous souhaite une bonne journée les enfants et à très bientôt. Alors, merci de la réponse. C'est gentil d'être poli. C'est très 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 gentil. Voilà, pour les deux dates de la semaine prochaine, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a deux rendez-vous. Ah bah oui, deux dates de la semaine prochaine. J'espère que ça va bien se passer. J'espère aussi que tes rendez-vous se passeront bien. Je vous souhaite une bonne journée les enfants. Donc c'est avec des enfants, peut-être pour faire du babysitting, on sait pas. Ouais, ou travailler dans une crèche. On travaille, voilà. Et à très bientôt. À très bientôt. On dit jusqu'au bout. C'est ça. Mais on a tout dit, hein. C'est cher. Alors, ouais, mais il faut que tu te fasses une bonne idée de quoi tu parles, de tes projets et de tes parents qui ont déjà des projets en cours. Et que je suis le seul à être en couple et que je le fais à la même occasion et que je suis le seul à ne jamais te trouver à la maison. Toi tu parles de tes projets. En gros, ouais, tu fais une idée de tes projets qui vont arriver. Mes parents ils ont déjà des projets en cours eux, apparemment. Ouais, les parents c'est les parents, ils ont tous les projets. Hein. T'es le seul à être en couple. Je fais à la même occasion, je suis le seul à jamais te retrouver à la maison. Ah, tu parles peut-être à ton copain, d'accord. Et tu lui dis que tu le trouves jamais ou tu ne la trouves jamais à sa maison. Vous êtes en couple mais vous ne vous voyez jamais. C'est quoi ce couple? Ah, du coup, c'est ça votre projet, c'est de vous revoir. Mais voilà, elle a tout trouvé. Ok, on passe au petit 8. Téléphone. Et un loup épisode de la chaîne avec qui je suis en train de préparer la vidéo d'aujourd'hui. Il y a des YouTube pour le plaisir et pour m'évader de ce monde et que j'ai des abonnés. Alors, t'as un téléphone. Un téléphone, un loup, encore un loup. Mais bah dis donc, ça sera l'épisode des loups, dis donc. Un loup des épisodes, vous aimez regarder des épisodes avec des loups dedans. La chaîne avec qui je suis en train de préparer une vidéo aujourd'hui. Ah, mais tu prépares une vidéo avec la même chaîne qui avait le loup. Vous avez trouvé les deux là. Il y a des YouTube pour le plaisir, pour me battre ce monde, j'ai des abonnés. Tu fais des vidéos YouTube pour le plaisir avec ces gens-là, pour t'évader du monde réel. Bon, ça peut être. Et avoir des abonnés. Voilà. Parce que c'est cool d'avoir des abonnés. C'est comme avoir des amis, mais tu ne vois pas pour l'instant. On passe au petit 9. Spécifiquement au point de la semaine dernière et à demain, qui est un de mes meilleurs amis. Ça, je l'oublierai jamais. Si tu penses que l'on est encore amis, réponds-moi de la chaîne avec qui je suis en train de préparer. Tu peux pas spécialement. À demain. Donc demain, apparemment, tu vas voir quelqu'un qui est un de tes meilleurs amis et que tu n'oublieras jamais. Il faut pas oublier ses meilleurs amis. C'est la meilleure chose, ça. Mais si tu penses que vous êtes encore amis tous les deux, si tu lui réponds, eh ben, il y a possibilité que vous prépariez la chaîne ensemble. Parce qu'apparemment, cette personne a une chaîne. Il est en train de préparer. Ah, ouais, voilà. Ça peut se faire. Il a besoin de ton aide. N'oublie pas, si c'est ton ami, va l'aider à faire sa chaîne. Une chaîne à deux, ça marche mieux que tout seul. So, BO 10. Ramène la clé, passe-partout. Ramène la clé. Oui, mais c'est vrai que c'est pas la mort. On ne peut pas toujours avoir des soucis pour le club, mais il faut que j'aille faire un tour sur le forum pour savoir si je peux faire un truc avec des amis qui sont des gens de ma promo. Alors. Ah, c'est signé en promo, ok. Eh oui. C'est signé en promo aussi. Alors, on ne peut pas toujours avoir des soucis avec le club. Oui, il faut pas trop en avoir parce qu'après, si t'as trop de soucis dans ton club, dans le club que tu es. T'as dit, c'est pas la mort. Si... Pas l'y faire. Hein. Si t'as pas de soucis, ne t'inquiète pas, ça veut pas dire qu'il y en a qui vont forcément arriver. Ça veut juste dire que c'est une bonne nouvelle, au contraire. Donc, c'est pas la mort et profite. Bah ouais.
Il faut qu'il aille faire un tour sur le forum pour savoir s'il peut faire un truc avec ses amis qui sont des gens de sa promo. Ok, bon, en gros, vous avez un forum, que, vous allez, que tu vas aller dessus pour voir avec tes amis, voir s'ils sont dispo, voir des promotions, machin, et tout le tralala. Et n'oublie pas, surtout, de bien préparer chaque événement. Ah bah oui, chaque événement, c'est bien, bien préparé, sinon, aller sur place pour voir rien en effet comment ça se fait. Oui. Et bien du coup, c'est fini pour aujourd'hui. D'accord, merci de m'avoir dit que c'était la fin. C'est vrai qu'on était au 10e, c'était la fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous allons bien se mettre devant la caméra parce que depuis tout à l'heure on a la tête coupée et vous nous voyez plus notre corps que la tête, mais bon. Alors, on a dû mettre autrement la caméra, mais bon, il est dalton. Ça va mieux comme ça. On se mettra à la même taille. Ouais. Sur ce, comment as-tu pensé cette vidéo? Enfin, as-tu pensé cette vidéo? Alors, comment je l'ai pensé la vidéo? Qu'as-tu pensé cette vidéo? Je l'ai pensé en réfléchissant. Je me suis dit, c'est bien parce que ça sort de ma tête là. Plus que c'est moi qui la pense, elle est bien. Non mais. T'en as pensé quoi cette vidéo? Elle était très bien. Et on a adoré en savoir un peu plus sur Rory. Et on a hâte de refaire encore un prochain épisode de vos textes bizarres. Plus vous nous en envoyez, plus on peut en refaire. Et plus vous aimez, plus nous aimons. Sur ce, ça sera la fin de cette petite vidéo. Oh non, c'est trop bas. Et on vous dit à la prochaine.